Allez, avec un nouveau visage ici à Carcassonne, celui de Benjamin Caminati. Benjamin, question traditionnelle, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Oui, Benjamin Caminati, j'ai 24 ans, joue 9, 10, plus 10, et j'arrive de Roche. Alors avant Auch, vous avez aussi un parcours enfin long, j'allais dire, de joueur de rugby. Est-ce qu'on peut le connaître en détail, s'il vous plaît? Oui, je commençais à l'âge de 4 ans à Nice. J'ai joué 6 ans à peu près. Je suis parti à Cannes-Mandelieu, où j'ai joué 2 ans. Et après, j'ai signé à Toulon, où j'ai joué 8 ans. Et 2 ans après, à Brive. Et l'année dernière, à Auch. Vous sortez d'une saison compliquée avec le FCAG. Est-ce que venir à Carcassonne, c'est une façon de rebondir après cette saison difficile? Oui, exactement. C'était une saison difficile, autant physiquement que mentalement. Mais ici, on m'offre une nouvelle chance, donc c'est qu'un plus. Ouais. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez échappé au stage avec le 3e RPIMA. Oui, j'ai échappé à cause d'une blessure à l'entraînement avec Koch. Sur les derniers entraînements, j'ai fait une entorse au genou. Et du coup, ils n'ont pas voulu que je fasse le stage. Vous pouvez nous rassurer, votre blessure, c'est un mauvais souvenir maintenant? Oui, c'est bon, là j'ai repris à 100%. Alors justement, comment vous voyez cette équipe de Carcassonne que vous intégrez? Puis est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels vous avez déjà joué ou que vous connaissez mieux que l'ensemble du groupe? Oui, je connais Luc Bissuel qui arrive comme moi de Auch et Victor Laval avec qui j'ai joué 2 ans à Brive. Et après, cette année, il y a vraiment une très très belle équipe avec un très bon recrutement de fait. Et après, on verra ce qui peut arriver cette année, mais le plus important, c'est le maintien. Est-ce que votre coupe de cheveux très courte, c'est le fruit de votre arrivée dans le club? Oui, voilà, exactement. Exactement, comme un peu pour tous les nouveaux, ouais. C'est une tradition. Alors, dernière question, comme tout à l'heure pour Scott, si vous deviez retenir un ou deux souvenirs qui ont marqué votre carrière de joueur de rugby professionnel, quels seraient-ils? Le premier, c'est le premier match professionnel avec mon frère. On a joué tous les deux en Coupe d'Europe. Et après, il y a le titre de champion de France avec Toulon en espoir, ou de en Rochelle, pardon, où pratiquement tous les joueurs maintenant sont professionnels et on a toujours gardé des liens très forts ensemble. Et merci Benjamin, et puis surtout très bonne saison du côté de Carcassonne. Merci.